Salut tout le monde, c'est Axel Epos 904, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve sur PES 2014, plus précisément pour vous montrer un peu de mes formations à moi. Parce que j'ai enchaîné des matchs avec cette formation que je vous montre là exactement. C'est un 4-3-3 ou n'importe quelle formation. Vous allez voir qu'il y a aussi les jauges des formations à modifier. Par contre, prenez en compte de mise en place des défenseurs. Parce que il y a longtemps, j'ai cherché sur ce PES 2014 l'équilibre entre les attaquants, les milieux et les défenseurs. Donc du coup, regardez bien, même si vous mettez qu'un seul milieu défensif et que vous ajoutez milieu central ou milieu offensif en plus, c'est pas grave. Mais par contre, c'est le truc qui va être important, c'est les changements de formation. Voilà, c'est exactement ça. Vous mettez personnalisé. Regardez bien ce que j'ai mis. Là, je me permets de vous montrer ça parce que j'ai enchaîné 10 matchs gagnants. Donc, pour moi, c'est une formation idéale pour gagner des matchs, que ce soit en Ligue Master, que ce soit un match de classement. Ou juste un match entre amis, et testez chez vous et laissez-moi votre petit commentaire pour voir si c'est une formation idéale pour PES 2014. Donc j'espère que vous allez réussir tout simplement, et puis n'hésitez pas de laisser un commentaire, de poser votre question, et puis vous abonner, faire partager. À bientôt.